Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. On est au Parc OL à Lyon. C'est le choc de la D1 féminine. Le match sur lequel tout se joue sur la saison, la confrontation directe, le classico féminin, c'est OL-PSG qui est marqué cette année par cette sombre affaire dont, sur laquelle je ne m'éparpillerai pas parce que là il y a un gros match qui arrive avec deux équipes qui ont tout gagné jusqu'ici et qui doivent maintenant prendre la tête de ce championnat. Donc on verra bien ce que ça donnera. Allez, c'est parti pour OL-PSG. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Termine ce choc de D1 féminine par une démonstration lyonnaise
sur un score que les Parisiens n'apprécient vraiment pas de 6-1. J'en rajouterai pas, pour ceux qui savent. Non, mais honnêtement, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Les Parisiens ont quand même essayé un peu au début, mais ensuite après, à partir du moment où le Lyon a ouvert le score, c'est un rouleau compresseur qui s'est mis en marche. Elles ont plus revu le jour. Enfin, quand elles étaient menées 4-0, il y a eu une petite révolte et sont revenues à 4-1. Mais autrement, les Lyonnaises étaient 5 cran au-dessus, quoi. Il n'y avait même pas photo, quoi. Oh, petite mobilisation des Bad Bonnes avec les Lyons 1950, donc virage sud et virage nord mélangés. Ouais, parce qu'ils s'apprécient plutôt bien. Donc c'est assez rare pour noter que il y ait ce genre de collaboration entre les deux virages pour ce match aujourd'hui. En tout cas, les Lyonnaises prennent déjà 3 points d'avance. Les Parisiens n'auront plus le droit à l'erreur jusqu'à l'avant-dernière journée. À l'avant-dernière journée, il y aura le match retour PSG-OL. J'imagine déjà, si jamais il y a encore de l'enjeu pour le titre à ce moment-là, j'imagine que ça va être le feu au parc avec le CUP qui se déplacera en masse. Et voilà pour cette soirée D1 féminine ici au parc OL. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à liker cette vidéo. On approche de l'objectif des 1000 avant la fin de l'année. Donc on y est presque. Là, il reste un peu plus d'un mois de foot. Je vous dis à très bientôt. Ciao.